Coucou les movers et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast, un épisode très spécial. C'est le premier épisode de la saison 2 du podcast. Oui, une fin de cycle, la fin d'une saison de 151 épisodes, 151 conversations cosmiques avec des invités incroyables, 3 ans d'aventure du podcast que j'ai décidé de fermer. Voilà, j'ai décidé de fermer ce chapitre et d'en ouvrir un nouveau. Si jamais vous êtes abonné à la newsletter des Movers, j'envoie un email tous les matins à 9h du matin, donc vous êtes déjà au courant de cette nouvelle direction, une direction un peu plus péchue, un peu plus énervus, un peu plus connectus et surtout un retour à soi. J'aimerais vous partager davantage mes centres d'intérêt, mon univers et puis étendre et vous ouvrir la porte un peu de tous les autres domaines qui m'intéressent, en plus de la pratique du mouvement, de la culture du mouvement. On va parler nomadisme digital, on va parler philosophie de vie, on va parler liberté dans tous les sens du terme. Movers, le motto de Movers, c'est vivre en mouvement. Et donc, après le mouvement du corps, après le fait de développer un corps capable de bouger librement, et puis de vous avoir introduit à tout ce concept autour de la pratique du mouvement, de la culture du mouvement, on a étendu déjà ça à la santé holistique et un peu au potentiel humain et un peu faire ce côté dev perso et santé holistique. Mais finalement, je décide de revenir un peu aux choses qui me parlent, à mes valeurs, à mes centres d'intérêt. Et donc là, j'ai vraiment envie plutôt d'embrasser le vivre en mouvement que j'avais noté déjà il y a 3-4 ans quand j'avais créé mon site internet et quand j'avais fait la refonte du site internet. Au final, je me suis rendu compte que c'est parfaitement bien trouvé et que j'avais envie aussi de vous aider à aller dans les autres niveaux, les autres étages de la liberté et de cette vie en mouvement. Après le corps, on va parler des finances, on va parler de cette liberté géographique et on va parler de la liberté un peu de penser, la liberté au niveau des la manière d'agencer les idées, de sa conception de la spiritualité, de sa conception des relations hommes-femmes, de la psychologie. Et même, on va explorer le cosmos avec les civilisations anciennes, les aliens, le cosmos comme on aime. Et je pense que vous avez aussi été attiré par cela quand vous avez écouté les conversations cosmiques. Bref, je vais vous faire un épisode un peu récap de ce qui s'est passé dans les 3 dernières années, de cette transition, de cette transformation qui a été opérée fin d'année 2023 pour moi, début d'année 2024, la raison pour laquelle j'ai envie de commencer une nouvelle saison, et puis un peu teaser ce qui va arriver dans le podcast, et j'espère comme toujours vous avoir avec moi pour la suite. D'ailleurs, pour celles et ceux qui écoutent ça et qui visionnent ça sur YouTube, avant qu'on rentre dans l'épisode et dans le détail des différentes parties et des différents contenus que je vais vous proposer, est-ce que vous pourriez me faire le plaisir de liker, de vous abonner, de mettre la petite cloche? Parce que là, on va, en plus des nouveaux contenus, augmenter l'intensité et le nombre de publications des épisodes de podcast. Donc, je vous garantis que vous n'allez pas envie de manquer les prochains épisodes. Avant tout cela et avant de parler du contenu, on va faire un petit historique de ce qui s'est passé ces 3 dernières années. J'ai créé le podcast Movers fin 2020 et on va dire que j'ai arrêté cette première saison, ce premier chapitre, fin 2023. Donc, 3 années pleines, entières, avec des rencontres incroyables. L'idée à la base du podcast, c'était de toute façon la conversation organique et ce que j'ai appelé la conversation cosmique. Et je rends à César ce qui appartient à César, c'est mon ami et mon frère, Steph Gentis, qui avait un peu coined le terme et qui m'avait partagé cette idée-là. L'idée, elle n'est pas née en 2020 pour moi, elle est née quelques années auparavant. À l'époque, j'étais combattant de Muay Thai en Thaïlande et je me suis rendu compte qu'à la fin de chaque séance d'entraînement, eh bien, on avait des conversations absolument épiques. Et on s'aventurait dans tous les domaines, en plus de la bagarre. On allait dans l'alimentation, dans la spiritualité, dans les relations hommes-femmes, dans le voyage, etc. On était une bande de jeunes filous, de vieilles canailles, 24, 25 ans à peu près, tous combattants professionnels, à s'entraîner régulièrement, tous les jours, pendant 6 jours par semaine. Et donc, à la fin des entraînements, alors je ne sais pas si c'est sous l'effet de l'endorphine, la dopamine, l'adrénaline, j'en sais rien. En tout cas, on avait les meilleures conversations du monde. Et je me suis rendu compte de ça également avec tous les amis de la cascade que j'ai pu présenter sur le podcast. C'est qu'à la fin des grosses séances d'entraînement, eh bien, je sais pas, les cœurs se libéraient et on pouvait rentrer dans des sujets en profondeur. Et donc, je me suis dit, si je fais un podcast, il faut que ça soit ça. L'idée originale, c'était de m'entraîner avec la personne, de filmer l'entraînement et juste après, de filmer la conversation un peu de cette manière spontanée, etc. Ayant le mode de vie que j'ai, le mode de vie nomade et de voyage en permanence, je me suis dit, ça va être trop compliqué de faire ça et donc, je suis en train de m'ajouter de la friction inutile. J'avais pas le temps, j'avais pas envie de faire ça, donc je me suis dit, commençons, ayons le courage et commençons à faire ça. Le premier épisode avec mon ami et frère de lumière, Steph Gentis, était déjà, pour des débuts, c'était bien épique. On était dans son dojo à l'époque, une sorte d'étage complet auquel il avait accès, complètement vide. Et puis, on n'avait pas évidemment de studio, on a enregistré ça avec mon portable Vivo, une marque indienne absolument horrible, qui ne sponsorisera jamais le podcast, bien évidemment, avec des écouteurs, je crois, sur une table, et on avait entouré notre petit setup de carton pour essayer de,
de pas avoir trop d'écho. Donc voilà, ça c'est le début du podcast Movers. Et puis j'ai simplement commencé à inviter mes amis, mes frères de lumière, parce que avec toutes ces années d'expérience, de voyage, de carrière athlétique, etc., et bien évidemment, j'ai rencontré des gens très intéressants. Et j'avais aussi envie de donner la parole à des personnes comme moi, des mercenaires de la vie, des gens qui ont multiples carrières, qui parlent plein de langues, qui vivent à l'étranger, qui n'ont pas hésité à changer de monde totalement. On avait des bacs plus 5 qui sont partis dans l'artistique, qui sont partis dans l'athlétique, etc. Moi aussi, je suis un pur produit de cela. Et donc, j'avais envie de partager ces univers-là, ces parcours de vie atypiques pour inspirer les gens, tout simplement. Je voyais le podcast, et je le vois encore comme ça, comme un complément à mon univers Movers, qui à l'époque était simplement une académie de mouvement dans laquelle je partageais des contenus autour de la mobilité articulaire, de la pratique du mouvement, de l'entraînement au mouvement, et donc simplement pour aider les personnes à bouger leur corps plus librement, sans douleur, sans restriction, etc. Et donc je me suis dit, il manque un aspect un peu plus sur la conscience, l'état d'esprit, la spiritualité et la manière d'aborder la vie, l'approche de la vie. Parce que je pense que moi, j'ai la pratique physique que j'ai parce que j'ai aussi cet état d'esprit. Le corps et l'esprit étant liés, tu peux pas prétendre ou vouloir un corps un peu polyvalent, compétent, être capable d'entrer à la fois dans de la danse, dans les arts martiaux, dans les énergies féminines, masculines, dans les différents domaines à l'envers, les acrobaties, le monde aquatique, aérien, terrien, etc. Si déjà dans ta tête, tu n'as pas cette approche un peu ouverte d'esprit, multidimensionnelle, multidisciplinaire et qui essaye de tisser du lien entre plein de choses. Et donc, je savais qu'en fait, le point commun de tous ces amis-là, qui ont choisi ces modes de vie et ces carrières et qui aussi ont osé plusieurs fois dans leur vie se réinventer, qui n'ont pas eu peur de vraiment se déraciner, quitter des tribus auxquelles ils appartenaient pour aller plonger et s'intégrer dans d'autres. Vraiment, tout ça, ça demande énormément de courage et de foi. Et je savais que le point commun, c'était ça, en fait. C'était ce qu'il y avait dans la tête, quoi, la manière dont on voyait les choses et qu'on n'avait pas du tout peur du regard des gens, etc. Et donc, je me suis lancé dans ces idées de conversation cosmique avec ses frères de lumière, et j'avais totalement confiance dans le fait que de fil en aiguille, j'allais bien au bout d'un moment ajouter des nouvelles personnes que je ne connais pas, et c'est ce qui est arrivé. Et donc 2021, j'ai commencé à rencontrer plein de gens ultra intéressants qui sont devenus aussi par la suite parmi mes meilleurs amis, notamment Pierre Dufraisse, David Nicolas, etc. Et on a fait des épisodes incroyables. Et puis à chaque fois, j'avais justement le retour des auditeurs qui me recommandaient des personnes, qui disaient « Ah, lui, il rentrerait bien dans le podcast Mover, parce que c'est à la fois quelqu'un qui est dans le corps, qui est dans l'esprit, qui est dans l'émotionnel, qui a une pratique spirituelle, etc. et qui partage des choses autour du mouvement ou de la santé holistique, de l'hormèse, de cette approche un peu multi-paramètres quoi, du vivant, et avec l'idée de se responsabiliser, avec l'idée d'oser briser des schémas limitants, des croyances limitantes, etc. Et vraiment l'idée de croître en tant qu'individu. Et donc, voilà, j'ai pu checker les contenus des gens, les invités, tout s'est bien passé. Et donc, voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à accumuler les invités, accumuler les épisodes. C'était génial. Je me suis toujours bien régalé. J'ai eu quelques petits hiccups, quelques petits accidents de parcours. Déjà, techniquement, évidemment, hein. Si vous écoutez le podcast depuis pas mal de temps, vous savez que techniquement, Movers, on est plus bas que terre. Mais on a quand même des conversations assez cosmiques et assez intéressantes. Et je pense avoir été un des premiers podcasteurs francophones déjà à parler de pas mal de sujets qui sont soit tabous ou soit qui sont peu partagés, notamment dans la pratique du mouvement. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui, en regardant même les statistiques, etc., que je suis la personne qui promeut le plus l'entraînement au mouvement, façon Ido Portal, Animal Flow, etc. Et donc, de toute façon, c'était l'objectif de base. C'est ma passion et c'est... mes enseignements tournent autour de ça, mais aussi d'autres sujets, notamment des sujets un peu plus ésotériques, des sujets sur la conscience, des sujets sur l'usage des plantes médecines, sur les civilisations anciennes, sur même des régimes alimentaires un peu durluberlus, un peu cachés, etc. Et j'ai toujours de toute façon vu la création de mon contenu et mon message être quelque chose qui est de l'ordre de l'innovation, du précurseur, etc. C'est toujours des choses auxquelles j'ai voulu... que j'avais voulu toucher du doigt. Et donc, si c'était pas avec le mouvement, j'allais de toute façon tenter de le faire avec les autres thématiques. Mais, et ça c'est le grand mais, c'est que le format que j'ai choisi, les conversations organiques, elles ont des avantages, mais elles ont aussi des inconvénients. Les avantages, c'est évidemment que, à titre personnel, ça m'a permis de développer mon élocution, ma manière de communiquer, mon écoute. Et c'est aussi de mettre en valeur les gens. Et je me rappelle au début, dans les premiers épisodes, je disais souvent que j'étais un vecteur de passage. Donc, volontairement, je me suis effacé, je me suis mis en retrait pour mettre en avant les personnes que j'accueillais. Parce que c'était ça, moi, l'idée. L'idée, c'est, je suis relativement connu dans mon industrie, du mouvement, etc. Et je trouvais que les autres industries un peu complémentaires, de la santé, elles étaient peu connues, où les gens, peut-être, soit n'avaient pas les mêmes capacités techniques pour se promouvoir, ou bien
était aussi dans le mouvement, mais utilisait les réseaux sociaux et d'autres choses. Et donc, je voulais vraiment mettre en lumière ces personnes-là et donner accès à mon audience à d'autres manières de voir le monde, des fois des manières concurrentes aux miennes. J'ai accueilli à la fois des carnivores, des véganes, des cétogènes, etc. J'ai accueilli des gens dans le crossfit, la musculation, le yoga, le mouvement. J'ai accueilli des personnes qui sont trop dans la performance, dans le biohacking comme on appelle, alors que moi je suis pas du tout dedans, des gens qui sont plus dans la longévité, la santé, le sport plaisir, etc. Donc voilà, il y a un peu tous les messages, tous les messagers, et l'idée c'était d'essayer de rendre les gens autonomes et de leur donner accès à tous les ingrédients pour qu'ils puissent, comme des alchimistes, faire leur propre concoction. Voilà, donc ça c'est les points, les bons points, les points positifs. Ça crée vraiment une tapisserie multicouleur et qui permet aux gens de naviguer, de découvrir peut-être un podcast au travers d'un sujet avec lequel ils ont déjà des sensibilités, et aussi de les ouvrir à d'autres sujets. Il y a plein d'hommes, par exemple, qui ont découvert le monde de la psychologie évolutionniste, le monde des cycles féminins. Il y a plein de gens qui étaient un peu réfractaires sur les plantes médecines, les drogues, etc., qui ont justement ouvert un peu leur état d'esprit sur la conscience et l'exploration. Il y a des gens qui étaient beaucoup dans la muscu, l'esthétique, le crossfit, etc., tout ce qui est fonctionnel, machin, et qui sont ouverts à des approches plus intangible, plus qualitative sur le mouvement, la danse, les capacités expressives, techniques. Et donc, de toute façon, je pense qu'avec tous les épisodes, tu vas de toute façon ouvrir ton esprit et tu vas avoir accès à d'autres choses. Et l'idée, c'est ça. C'était la stimulation permanente, parce que je pense que ce type d'échanges, ils sont aussi à l'image de ma vie, c'est-à-dire être stimulé par des nouveaux pays, des nouvelles langues, des nouvelles cultures, des nouvelles pratiques physiques, etc. Les inconvénients maintenant, c'est que dans la qualité des épisodes, évidemment, tu peux pas contrôler et tu peux pas gérer le fait que quelqu'un peut-être en face de toi n'a pas les mêmes capacités de communication que toi tu as, n'a pas le même peut-être entrain, enthousiasme, il n'est pas péchu quoi devant la caméra, et peut-être qu'il est timide, introverti, etc. Et donc j'ai appris à un peu relever en quelque sorte le niveau et rendre les conversations intéressantes, même dans le cas où, même pour moi, c'était pas si intéressant que ça, c'était pas si passionnant, il y avait pas un peu cette flamme et cette étincelle que j'ai pu avoir avec des invités, soit que je connais très bien évidemment mes amis, ou bien d'autres invités avec lesquels ça a été très surprenant. Et je me suis dit, putain, énorme, connexion de cœur instantanée, boum, on va rigoler, on va délirer, j'ai quasiment rien à faire, ça va être fluide. Et donc ça m'a aussi un peu, au fil du temps, créé parfois de la frustration. Et il est vrai qu'à plusieurs reprises, je me suis dit que le podcast devenait en fait une tâche à accomplir. Et il y avait un peu cet espace, cet esprit un peu mécanique. Après, j'ai toujours continué à le faire, ça n'a pas été une raison suffisante pour arrêter, parce que je suis très au fait de la courbe d'apprentissage et du fait de devenir de toute façon meilleur à ton propre art comme un artisan, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des trucs chiants et donc tu dois les faire. J'ai quand même plusieurs fois éliminé les épisodes complètement, donc il y a quelques invités que je n'ai pas publiés, mais je sais qu'aujourd'hui, en regardant en arrière, 80% des personnes avec qui j'ai interagi, je ne les vois pas être des personnes suffisamment pertinentes et intéressantes pour moi, pour la saison 2 par exemple. On va y revenir dans le contenu de la saison 2. Il y aura encore quelques conversations cosmiques, simplement en plus petit nombre, mais je sais que tout le monde ne va pas avoir accès à cette saison 2, parce que justement, j'ai envie de montrer un nouveau niveau d'exigence envers soi-même, envers son art, envers ses enseignements. Et je sais que pas tout le monde ne résonne avec cette approche-là. Mais donc voilà, l'aventure un peu des 3 ans, elle m'a permis d'apprendre beaucoup de compétences, on va dire transversales, compétences de communication, qui m'ont aidé même avec mes relations plus proches, hein. Je sais que le podcast m'a beaucoup aidé avec mes relations familiales, amicales, amoureuses, simplement dans cette idée d'écouter davantage, d'essayer de tisser du lien entre différentes choses pour la personne, d'essayer de recontextualiser les propos de quelqu'un pour vraiment savoir si t'as bien compris, si t'as bien saisi. Ça te place aussi beaucoup dans un mode d'apprentissage, d'être un élève, d'être vraiment dans le fait de recevoir une information. Ça améliore ta capacité d'attention, de concentration. Et puis le fait d'en faire régulièrement, eh bien, ça te permet aussi de tisser des liens avec d'autres domaines. Et évidemment, ça te fait découvrir énormément de choses. Grâce au podcast, j'ai découvert énormément de thématiques. Je me suis intéressé à plein de choses. J'ai créé des liens d'amitié extraordinaires. Quasiment 80% de mes meilleurs amis viennent du podcast. C'est pour te dire, dans les 3 dernières années. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, par la suite, ça a même ouvert la porte à des collaborations, à de la création de projets entrepreneuriaux avec ces personnes-là. Donc, c'est vraiment génial. Mais c'est vrai que si on regarde l'aspect un peu plus relation à mon business, relation à ma marque, je sais que beaucoup de ces personnes-là, je leur donnerais pas le titre de mover, par exemple. Même si, en partie, dans leur vie, ils ont quelques caractéristiques d'un mover. D'ailleurs, je les ai listées dans une page sur mon site qui s'appelle le Manifeste des Movers. En gros, la liste de toutes les choses qu'il faut pour être un mover. Et donc moi, j'aime bien cette idée qu'il faut avoir une pratique physique.
mais une pratique physique aussi à un haut niveau. Maintenant, j'ajoute cette partie exigence qu'avant, je n'avais pas pour les autres, que j'avais seulement pour moi. Mais là, maintenant, j'ai envie d'être plus transparent et plus authentique. Ça va être le prochain point de cet épisode. Mais maintenant, il y aura ça. Il y avait aussi la volonté d'avoir peut-être plusieurs carrières, donc professionnelles. Moi, j'aime bien l'idée d'être à la fois brains and bronze, vraiment à l'idée du guerrier philosophe de l'époque, à la fois dans le corps et dans l'esprit. Moi, je veux être un bac plus 5 et aussi, ou un bac plus 12 et aussi un athlète professionnel à haut niveau. Je veux avoir les deux. Je veux être à la fois quelqu'un dans la mystique et la magie et la conscience et à la fois quelqu'un de très terre à terre. Je peux me fumer à la salle 3 heures sans rechigner, sans pleurer, dans le dur, quoi, dans le dur, dans le concret, dans le réel, dans le tangible, et à la fois explorer les mondes inconnus, les rêves lucides, les états modifiés de conscience, etc. Donc, il y avait à la fois ce côté, il faut être dans l'énergie masculine et l'énergie féminine, et à la fois ce côté, il faut être très terre-à-terre et pouvoir décoller dans le cosmos. Et donc, au-delà de la pratique physique, au-delà, par exemple, de l'enseignement de la personne, il fallait une pratique physique, il fallait de multiples carrières, idéalement plusieurs voyages. Donc, la composante du voyage est très importante pour moi, hein, grâce à mon mode de vie, notamment nomade. Je sais que c'est quelque chose qui créer des gens de culture, comme je les appelle, des gens qui vont avoir une ouverture d'esprit de toute façon, simplement par effet secondaire, d'avoir voyagé, de t'être ouvert à d'autres cultures, de t'être déraciné, d'avoir fait le travail d'intégration. Je le disais récemment dans un podcast avec mon ami Pierre Dufraisse, qu'on a dédié à l'excellent, le grand sage, le maître, le sensei Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball Z. Je lui disais, je recommande tout le temps aux gens de vivre la vie d'immigré. Allez dans un pays et subissez ce que les gens qui viennent en France subissent. Encore en France, c'est plutôt cool. Mais vous allez voir, et ça va vraiment débloquer des cases. Tu vois, quand tu dois trouver un travail, quand tu dois respecter les règles de quelqu'un d'autre, tu vois, même si elles font, il y en a qui font pas sens par rapport à ton conditionnement et à la manière dont tu as été élevé, quand tu dois payer tes taxes, quand tu dois faire face à la justice d'un pays, etc., etc., ou créer des relations amicales ou amoureuses, et ben tu vas voir que ça ouvre le cœur et tu dois faire un travail exceptionnel de dévoilement et de croissance pour justement être accepté et pour t'intégrer et pour vivre en fait dans ce pays-là. Bref. Donc voilà, il y avait un peu toutes ces composantes pour les invités et c'est vrai que là, en regardant en arrière, pas tout le monde fit the bill, pas tout le monde n'a tous ces éléments dans la liste. Et donc, c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles je me disais, ok, là, il faut que j'arrête en fait d'inviter des gens qui n'incarnent pas les choses et les valeurs auxquelles moi je crois, au niveau surtout auquel je crois, et c'est ça le point le plus important et qui va faire la transition parfaite pour le prochain point là de cet épisode, qui est le retour à l'authenticité. Qui est réellement le Nomad Slim? Comment moi je me suis construit? Et pourquoi maintenant c'est terminé? Je ne peux plus accepter d'avoir des gens avec lesquels j'interagis qui ne sont pas à ce niveau d'exigence, parce que ce n'est pas moi, tout simplement. Donc, c'est pas moi qui projette mes valeurs ou je sais pas quoi, ou mon mode de vie sur les autres. C'est plus, j'en ai rien à foutre des autres. Moi, je suis comme ça. Si tu es à ce niveau-là, tu rentres dans ma tribu. Si t'es pas à ce niveau-là, j'ai pas à interagir avec toi. Et donc, c'est cette idée-là, ce retour à l'authenticité, eh ben, il s'est fait toute l'année 2023, notamment avec une rupture amoureuse qui m'a permis justement de reprendre la souveraineté là-dessus et me rendre compte que, c'est-à-dire, c'est marrant, hein, ces 3 années de podcast, j'étais aussi avec mon ex. Et j'étais beaucoup plus adouci, beaucoup plus dans la tolérance, dans la compassion, dans l'acceptation que peut-être les gens, ils n'ont pas ce niveau d'exigence, ils n'ont pas ce niveau de discipline, etc. C'est pas, ils n'ont pas cette intention et cette excitation et cet enthousiasme de la vie que moi j'ai, etc. Mais là, en fait, je me rends compte que tout ça, c'était du blabla, c'était un discours que je me racontais, c'était une croyance limitante. Il y a des gens comme ça, ils existent. Et si moi, j'essaye de réduire et d'atténuer ma lumière, eh ben, je ne vais pas les matérialiser, je ne vais pas les manifester dans ma vie, je ne vais pas les attirer. Et donc là, je me suis dit, non, il faut reprendre la souveraineté là-dessus. Il faut remettre tes barrières et ton haut niveau d'exigence, boum, publiquement, le mettre vraiment à la vue de tout le monde. Et voilà, celui qui est capable d'entrer, il va rentrer. Et ça va être génial. Et tu auras des expériences, peut-être des conversations un peu... on aura moins en termes de quantité, mais par contre, en termes de qualité, tu es sûr que tu vas pouvoir garder 10 ans plus tard toutes les conversations. Tu vas dire, voilà, là, je suis fier. Là, le mec, il envoie pleine balle comme moi. Et ça va être un bon témoignage et un bon héritage de tout ce qu'on pense et la manière dont on vit et dont on incarne ces choses-là. Et donc, c'est ce retour à l'authenticité que j'ai vécu en 2023 avec justement de nombreuses conversations. Je pense qu'aussi le fait d'avoir fait de nouveau des événements physiques. J'ai réalisé des ateliers de mouvement au cours de 2 festivals. Le premier, le festival du potentiel humain de mon ami Pierre Dufraisse, l'excellent Sensei, qui d'ailleurs revient là le 8 et 9 juin 2024. Je vais faire un peu de promo, le congrès du potentiel humain. Et j'y serai encore pour 2 ateliers de mouvement. Encore une fois, fini les introductions au mouvement et la mobilité pour les débutants. Là, c'est terminé. Je vous envoie pleine balle. Là, je suis là pour vous fumer le corps. Là, on va s'entraîner comme jamais auparavant et avec des vraies expériences physiques intenses que moi, j'ai réussi
et j'ai eu la chance d'avoir au cours de ma vie, je vais vous pousser à un niveau d'exigence très très haut. Donc voilà, soyez prévenus, ça va pas être une introduction à la mobilité, faire des vagues avec la colonne, non. Maintenant, on va très loin. Donc pour les gens qui ont le niveau, c'est génial, et ceux qui n'ont pas le niveau, mais qui ont le courage et qui veulent oser, venez, il y a toujours des exercices plus faciles à faire, bien évidemment. Bref, le 8 et 9 juin 2024, le congrès du potentiel humain. J'avais fait cet événement-là l'an dernier, la première édition, et j'avais fait le festival du potentiel, le festival Limitless de mon ami David Nicolas du podcast Limitless Project. Pareil aussi, introduction un peu au mouvement mobilité, etc., pour le tout public. Et surtout, j'avais réalisé un événement, un workshop à Paris, une movement jam, encore un peu introduction, mais un peu plus ciblé vers les arts martiaux. Et j'avais fait deux retraites avec mon frère de lumière, Steph Gentis. Et là, on a poussé les gens pleine balus jusqu'à faire des choses comme de la capoeira, des gros exercices de mobilité chargés, de la grosse préparation physique d'athlète, de la danse pointue, du gaga, l'expression libre. On les a introduits au froid, respiration chamanique, respiration Wim Hof, état modifié de conscience quasi presque, grosse alimentation animal-based, clean. Et vraiment, de 7h à 20h, tu te fais fumer, quoi. 9 heures d'entraînement par jour. Pas le temps de respirer, quoi que ce soit. Tu te manges toutes les informations et tu acceptes et tu te régales fondamentalement. Et les personnes, à la fin de la semaine, on n'a eu que des retours positifs. D'ailleurs, je les partagerai. Vraiment incroyable, des vraies transformations de vie. Et je me suis rendu compte que oui, mais en fait, moi, c'est ça ma vie. Moi, je vais dans des workshops, je me fais fumer. Moi, mon objectif, c'est de trouver des gens qui vont me désosser. Parce que c'est là, moi, je suis quelqu'un d'extrême. J'aime me foutre dans des expériences extrêmes et j'ai envie d'apprendre des choses que tu dois creuser, mais pendant 20 ans pour les trouver. Moi, je veux les gemmes, je ne veux rien de surface, ça n'a jamais été mon ambition, ça n'a jamais été ma personnalité, j'ai toujours raisonné avec l'idée de la résolution de problèmes, de résolution de problèmes complexes, et essayer de trouver et d'atteindre les gemmes que seuls peu d'êtres humains ont atteints. C'est pour ça que les carrières athlétiques m'ont toujours séduite, et je suis un pur produit de la méritocratie et du travail dur. Et donc, dans les retraites, j'ai pu de nouveau expérimenter ça. Et le fait de le donner et de voir que c'était accepté et reçu par des gens, même qui n'avaient pas un grand niveau de pratique physique, c'était exceptionnel parce que tu peux recevoir ça même si tu es un débutant. Ça n'a rien à voir avec ton niveau actuel. Ça a plus à voir avec ta capacité de réception. Tu vois, à quel point tu es bon à être un élève. C'est ça le truc. Moi, j'ai reçu ces choses-là même quand j'étais nul, quand j'étais un débutant. Mais il faut bien commencer quelque part. Mais moi, je préfère avoir un entraîneur, un coach, un mentor qui est un nazi. Le mec, c'est un tyran. Tu vois, il me dit 3 heures, on va apprendre à déposer la main au sol et tu fermes ta bouche. Moi, je préfère ça. Parce que quand tu sors de là, même après 3 mois, c'est l'équivalent d'un mec lambda qui a fait ça avec un coach à 2 balles, à la va-vite, pendant 5 à 10 ans. Donc, tu récoltes quelque chose que tu vas pouvoir réellement posséder, sur lequel tu vas pouvoir te rapporter, qui va continuer en fait à te faire grandir et à te dévoiler des choses en toi et sur lesquelles tu vas avoir une vraie preuve irréfutable que tu es qui tu prétends être et donc une vraie confiance en toi. Tu vois, tu vas avoir des vraies compétences. Si tu vas, je sais pas moi, 4 mois, je sais pas moi, en Colombie, et t'apprends la salsa et leur version de la salsa avec un prof qui est né là-bas, qui en a fait toute sa vie, tu vas voir que ça, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent et tu vas avoir un niveau par rapport à quelqu'un qui en fait 5 ans en France avec un prof bidon, tu vois. Et moi, j'ai toujours été comme ça. Je suis parti au Japon, je suis parti en Thaïlande, en Indonésie, au Brésil, etc. pour apprendre ces différents arts martiaux, ces différents arts dansants, ces différents arts du mouvement. Je me suis exposé à des compétitions sportives, des performances athlétiques, artistiques, etc. justement pour essayer de recevoir et récupérer ces choses-là. Tu vois, c'est comme si elles étaient déjà dans les terres, mais sauf qu'elles sont très loin de ton point de départ. Tu dois vraiment galérer pour les chercher. Tu dois traverser 3 déserts, gravir 12 montagnes, parcourir 3 océans, et après seulement tu vas avoir la petite récompense de « ok, on peut dire que tu maîtrises le sol », tu vois. Et moi, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours été attiré par cet archétype de l'éclaireur. Et donc, dans cette ambition de reconnecter un peu avec cette authenticité et ce haut niveau d'exigence, je pense que les événements physiques de l'an dernier m'ont aidé. Clairement, la rupture aussi m'a aidé parce que j'ai dû faire un travail de recherche sur moi-même, etc. Et puis, le fait d'avoir vécu aussi une année très, très intense, riche d'enseignements, mais aussi riche un peu de galères, quoi. Tu vois, de stress. J'ai fait beaucoup trop de voyages. J'ai voyagé tous les 2 semaines quasiment. Les changements de fuseau horaire. J'ai pris du retard dans mes formations, etc. Donc, vivre un peu une année chaotique dans laquelle j'avais justement pas le contrôle sur beaucoup d'éléments, c'était très important, en fait, parce que j'étais dans une zone de confort. Tout allait bien. Je vivais ma vie un peu paisible sur les îles, en Thaïlande, en Indonésie, tranquille, tout se passait bien, j'avais de l'argent, tout roulait cool et tout. Et j'avais un peu le succès qui augmente tranquillement, tu vois, le nombre de téléchargements des podcasts, le nombre d'abonnés dans ma liste email, le nombre de ventes, etc. Donc tout allait bien, tu vois, jusqu'en 2022. Et 2021, ça a commencé à partir en sucette. Et en fait, même si là, en début 2024, je suis encore en train de payer le prix
de cette année chaotique. C'est dans le chaos, de toute façon, c'est dans l'œil du cyclone que tu vas, si tu arrives à t'en sortir et à survivre à ça, eh bien, tu vas te renforcer et tu vas vraiment grandir, tu vois. Et je me suis rendu compte que, voilà, ces trois années de podcast, douces, voilà, plutôt douces, à part l'année 2023, mais sinon, on va dire deux ans et demi très, très douces, eh bien, en fait, ça m'a justement fait m'asseoir, en fait, sur mes acquis et accueillir un peu des personnes, voilà, un peu plus tranquilles, douces, avoir des podcasts qui sont cool, mais pas tant que ça, etc. Là, maintenant, c'est terminé. Et donc, ce retour à l'authenticité, eh ben, il est le résultat de cette année-là et j'en suis très reconnaissant, même si ça a été difficile, point de vue émotionnel, physique, il y a eu les blessures, etc., financier, niveau même fierté et d'estime de soi, tu vois, avec des clients qui se plaignent, avec des gens qui disent « Oh putain, on n'a pas les formations, etc. » Moi, ça me fait vraiment, ça fait du mal, mais en même temps, je suis responsable, tu vois, je suis en train de rejeter la faute sur les gens. Mais je me dis, vas-y, là, il faut se réveiller. Et il y a des décisions que tu ne regardes pas, que tu dois prendre. Et une fois que tu auras pris ces décisions, tu vas voir que tout va s'aligner et tout va redevenir connectus. Eh bien, c'est l'authenticité, la décision que je devais prendre. Et je me rends compte également que dans l'authenticité, m'identifier uniquement à la pratique du mouvement et cet aspect un peu réhabilitation des articulations, travail sur la mobilité articulaire et développer un corps souple, fort, résilient, sans douleur, sans raideur, ce n'est pas du tout moi, en tout cas pas moi entièrement. Une énorme partie de ma vie, ça a été l'entrepreneuriat, la vie de nomade. Moi, j'ai quitté la France il y a plus de 10 ans et je suis jamais rentré. Et je rentre pour voir ma maman quelques semaines et après je repars. Je me rendais pas compte en fait que c'est déjà aussi un mode de vie qui est exceptionnel. Moi, il y a peu de gens qui vivent ça, qui sont aussi polyglottes, qui ont eu plusieurs carrières dans différents domaines, qui sont capables aussi de maintenir ce mode de vie parce que faut pas rêver. Moi, je vis pas dans des bungalows tout pourris en Thaïlande. Je vis pas dans un 8 mètres carrés avec un hamac, etc. Non, moi, là, je te parle de villa à Bali, je te parle d'entraînement dans les plus grands gyms, sauna, bain froid tous les jours, manger au resto, etc. Je te parle d'une vraie vie qu'on pourrait appeler une vie avec un accès vraiment à beaucoup de ressources et en plus depuis 10 ans. Donc, je suis pas du tout un débutant sur le sujet et c'est quelque chose, en fait, c'est une de mes passions, l'entrepreneuriat, la création de projets, le développement de marques, etc., au point où j'en ai même une autre entreprise qui me permet d'aider des clients à réaliser ça. Et donc, je me suis dit, regarde, il y a tout cet aspect-là que tu partages pas. Ensuite, il y a l'aspect, moi, je suis pas un débutant, je suis pas un mec qui a des problèmes et qui a besoin de se réhabiliter. Donc, même si c'est vrai que sur le marché, c'était quelque chose d'intelligent, au moment où j'ai décidé de prendre la voie de l'académie et la formation en ligne pour aider les gens, moi, je viens d'un monde qui n'a rien à voir avec mes clients, en fait. Tu vois, mes clients... la majorité, on va dire des élèves, peut-être la tranche d'âge, ce serait voilà 35, 45 ou 50 ans, tu vois, même parfois plus, peut-être une moyenne d'âge de 40 ou 45. Moi, j'ai 31 ans et quand j'ai commencé, j'avais 27 ou 28 ans la partie académie en ligne. Mais moi, depuis l'âge de 4 ans, je fais du sport et j'ai fait du sport à haut niveau et j'en ai fait plein, en fait, plein de différents et à haut niveau. Donc, en fait, j'ai pas du tout la vie d'un sédentaire qui essaye de se réhabiliter. J'ai pas du tout la vie de quelqu'un qui est en méforme. J'ai pas du tout la vie de quelqu'un qui a eu des gros accidents de moto ou de voiture qui essaye de se sauver une hanche ou un genou, etc. J'ai eu mes accidents dans le sens des grosses blessures. Et c'est pour ça que le domaine de la mobilité articulaire et de la réhabilitation de blessures et même de la préhabilitation de blessures, parce que moi, je suis beaucoup dans la prévention. Eh bien, j'en ai fait mon domaine d'expertise parce que avec mes aventures extrêmes, j'ai pu expérimenter ce que c'est de tu vois, péter un genou, une coiffe des rotateurs, etc., d'avoir des vraies douleurs et des vrais blocages. Et donc, c'est ça qui a fait que mon expérience, elle est tangible, palpable. Et puis, je me suis aussi exposé à des grands maîtres. Quoi. Je suis parti voir des gens, voilà, Roy Gold, Dido Portal, tous les mecs de Animal Flow, Move Nat, King Stretch, tout ce que tu veux, les Kelly Starrett, les Charles Poliquin et tout. Et j'ai récupéré beaucoup, beaucoup de connaissances et j'ai pu aussi me confronter à des préparateurs physiques de très, très haut niveau. J'ai aussi accompagné des athlètes de haut niveau, notamment des combattants de kickboxing au Glory, des combattants MMA à l'UFC, au ONE FC, au Bellator, des circassiens, des personnes qui font de l'escalade, des joueurs de tennis professionnels. Bref, j'ai eu un panel, il y a même des gars du motocross, des ultras, etc. Et donc, je me dis, mais attends, mais moi, mes élèves, ou la plupart de mes élèves, l'immense majorité, ne connaîtront jamais cet univers-là et ne viennent pas de cet univers-là. Et donc, je me suis dit, écoute, il y a la partie entrepreneuriale que tu ne partages pas et qui pourtant, c'est 80% de ton temps, c'est ça. Il y a la partie aussi performance athlétique, artistique, technique, à haut niveau, vraiment les gens qui veulent se fumer à l'entraînement, se mettre des énormes tarifs, qui veulent aussi avoir un haut niveau de pratique physique, pas simplement le sport santé ou le sport loisir. Je n'ai jamais été ni dans le sport santé ni dans le sport loisir. J'ai toujours été uniquement dans le sport compétition et performance athlétique et le haut niveau. Le reste, jusqu'à maintenant, ça ne m'intéresse pas. Pas parce que j'ai des connaissances dessus et que je peux en parler et que je peux partager des idées qui sont intéressantes, qui peuvent aider les gens à s'y amener,
que c'est ma réalité. Pas du tout. Je ne joue jamais comme ça pour le loisir, même un beach volley à la plage. Moi, je joue pour gagner. C'est tout ce qui m'intéresse tout le temps. Et je ne supporte pas rentrer dans un domaine et ne pas y aller à fond et pleine balle et creuser pour être soit le meilleur ou soit parmi les meilleurs. Donc, il y avait ce point-là où je me disais, mais attends, mais il y a tout cet aspect performance et haut niveau et gros entraînement dur, etc., où on ne vise pas la santé, on ne vise pas la longévité et plus, même pire, on accepte la blessure et le dommage comme faisant partie intégrante de cette aventure-là. Moi, j'ai jamais pris en compte le fait d'avoir une commotion cérébrale avant de monter sur un ring de boxe ou de Muay Thai. Mais sinon, tu ne montes pas, en fait, parce que de base, c'est pas du tout un sport santé, ce truc-là. C'est un sport pour s'éclater la gueule, tu vois. Il y a 10 fois trop de risques pour la petite récompense que c'est. En vrai, non, il y a beaucoup plus de récompenses pour les risques, mais ça, il faut vivre l'aventure pour découvrir ce secret-là. Et le troisième point, ça va être un peu sur, justement, cette philosophie, cette approche de la vie. Le côté, bon, il y a le côté Connexus, hein, que moi j'adore, hein, civilisation ancienne, alien, conscience, 3D, 5D, etc. J'adore ça. Mais il y a aussi le côté simplement comment aborder la vie. Même le fait d'avoir un mode de vie comme le mien, nomade, d'être loin de ses proches, loin de sa famille, la relation avec la mort, la relation avec la distance, le détachement, le minimalisme, toute cette approche aussi un peu stoïcienne, etc., de la vie. Je pense que j'ai beaucoup de choses à partager là-dessus. Et puis, c'est vrai que dans mon travail, notamment avec beaucoup de mes élèves, notamment dans le mentorat, c'est ça qui revient souvent, les aider un peu à aborder même leur relation avec les parents, avec les familles monoparentales, avec les enfants, avec aussi le détachement, le regard des autres, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais aussi des choses à dire là-dessus et que de toute façon, moi, c'était un sujet qui m'intéressait parce que le sujet de l'humain m'intéresse parce que je m'intéresse à moi-même. Donc, au final, tu dois t'intéresser au bout d'un moment à l'humain, un peu au biais cognitif, à la psychologie, aux relations hommes-femmes, aux énergies masculines, féminines, et puis à la philosophie et à la spiritualité. J'ai grandi en partie au Japon. J'ai été sensible à différentes cultures, différentes religions. Moi, je viens de base d'un monde de musulmans. Après, j'ai été très sensible aussi au monde judéo-chrétien. Et après, avec la vie en Asie du Sud-Est, le bouddhisme, le shintoïsme, etc., même le spiritisme, etc., quand j'ai vécu au Brésil. Bref, moi, j'ai exploré tout ça et je continue d'explorer tout ça. Et ça me passionne. Et donc, je me suis dit, voilà, si je refais ce retour à l'authenticité et je reconnecte réellement avec moi-même, eh bien, il faut que ma marque Movers, dont le sous-titre, c'est « Vivre en mouvement », puisse réellement incarner ces trois mots-là, vivre en mouvement. C'est pas simplement bouger son corps, faire des acrobaties, faire des marches du lézard et des saltos arrière. C'est bien plus que ça. Et je pense que ces trois domaines-là, à la fois la pratique du mouvement, la culture du mouvement, et je dirais même construire un corps polyvalent et ultra compétent. Donc là, je vais oser partager des choses même sur la prépa physique, même sur l'esthétique pour les gens, même sur la force, sur les qualités athlétiques, et aussi les sports, tu vois, la capoeira, le breakdance, les sports de combat, le surf, l'escalade, tous les sports moi qui m'intéressent, qui me passionnent, que j'ai fait beaucoup, calisthénie, etc. Et la partie aussi les compètes, quoi. Tu vois, qui fait gagner et y aller, et le mindset qu'il faut et l'approche justement du corps en santé, performant, et vouloir en fait un niveau d'excellence pour soi, pour sa relation corps-esprit qui dépasse ce qu'on partage, que moi j'appellerais communément un truc de besio, quoi, un truc vraiment bas étage avec des objectifs à court terme, esthétique, le ventre plat, les gros fessiers, les pectoraux, etc. pour l'été, où ça n'a jamais été moi ma vibe, ça ne le sera jamais, et j'ai envie un peu de partager ça. Et le deuxième point, ça va être évidemment le mode de vie nomade digital, nomadisme digital. J'utilise ces mots-là volontairement parce qu'ils résonnent et boum, ils frappent. Nomade digital, tu vois, on comprend que c'est un mec qui voyage avec un sac à dos et qui travaille en ligne, tu vois. Mais là aussi, on peut rentrer dans les profondeurs de ce domaine-là, avec comment le devenir, quelles sont les différentes manières, en fait, d'atteindre ça, la réalité aussi derrière ça, la charge de travail qu'il faut, aussi voir un peu quel mode de vie, dans quel pays, comment vivre de ça, comment créer une marque digitale, comment créer un personal branding, des services en ligne, comment vendre, le marketing, les réseaux sociaux, etc., etc. Ça, c'est tout ça, ça m'intéresse, ça me passionne et j'ai accompagner de nombreux élèves dans mon mentorat holistique justement pour la création de projets ou bien la croissance d'un projet existant. Et le dernier point, ça va être un peu ce que je vais appeler philosophie de vie, pour pas dire mindset, mais il y aura philosophie de vie, un peu spiritualité, etc. Et c'est la partie comment aborder en fait la vie si tu as envie d'avoir cette vie-là multidimensionnelle, une vie vraiment de mercenaire, avoir le courage de quitter ton taf, quitter l'école, partir vivre à l'étranger, faire différents métiers, acquérir plusieurs compétences, vivre libre, complètement libre de penser, avoir ta propre autonomie de pensée et émettre un peu des critiques sur le monde et vraiment façonner ton royaume interne et que tu deviennes incorruptible, pas docile du tout, vraiment échapper à la matrice comme on dit. Et tout ça, ces trois composants-là, elles vont être les différentes directions, les trois axes que je vais aborder dans le podcast. Et tout ça, en fait, ce retour à l'authenticité
Et cette redéfinition de la marque Movers autour de moi, en fait, de ma vie et du personnage attractif que je suis, le nomade slim, ce personnage un peu fantasmé, imaginaire, vers lequel je souhaite tendre également, et ben ça me permet également de prendre une position de leader et d'esquiver, d'arrêter de vivre un peu selon cette maxime « vivons heureux, vivons cachés » que moi j'ai toujours utilisé en fait pour plein de raisons, je pourrais en revenir, hein. Ça vient de mon passif, hein, la manière dont j'ai grandi, etc., et les différentes communautés auxquelles j'appartenais, etc. Et je me dis, vas-y, mais là, il faut arrêter. Parce que si moi, je me plains du monde et que je dis, voilà, il manque cette voie-là, et ben pourquoi j'agirais pas et pourquoi je ne proposerais pas cette voie-là? Je pense être le plus qualifié et le plus légitime pour partager cet aspect-là de, voilà, vivre en mouvement, c'est ça, quoi. Vivre libre, autonome, indépendant, prendre la responsabilité d'absolument tout dans sa vie et vouloir des grandes choses, un haut niveau d'exigence pour soi, pour ses proches, pour ses amis, des grandes ambitions professionnelles, vraiment impacter le monde, mais pas dans l'esprit bullshit, un peu développement personnel. Non, là, moi, je te parle vraiment tangible dans la matière. Tu vois, avoir un corps de malade, être capable de faire des choses de malade, avoir un compte en banque aussi de malade, avoir des expériences de vie de malade, ça existe, c'est possible. Et il y a des gens qui s'intéressent à ça, qui veulent ça, et moi, je sais que j'en fais partie, et je veux une vie qui soit pleine, qui soit rempli, qui soit intense, qui soit du moment où je lève les yeux, où j'ouvre les yeux, pardon, jusqu'au moment où je les ferme, je veux que ça soit pleine balle. Je veux que ça soit tellement intense que je n'ai pas envie de dormir et que l'excitation d'avoir une journée de plus, elle m'empêche presque de dormir 5 minutes de plus, quoi. Moi, j'ai aucun souci à me lever le matin et parce que je suis trop excité, enfin, j'ai trop envie de vivre et je veux partager cet enthousiasme de la vie, le fait de croquer la vie pleine balle, d'essorer la moindre goutte de jus et de nectar de cette vie-là. Et je sais que voilà, ça passe par oser justement prendre cette position de leader, de meneur, et de me mettre un peu plus en lumière, et d'arrêter d'un peu d'être ce vecteur de passage, de me cacher derrière le fait de mettre les autres en lumière, etc., et d'oser me mettre en avant et partager, là, comme je le fais, face caméra, sur des podcasts solo. Donc, transition parfaite, on en arrive un peu au format, dans l'idée de proposer un peu cette aventure un peu plus grandiose pour les gens qui vont suivre un peu mes déblatérations, je sais pas si ça se dit, eh bien, j'ai pensé évidemment à une formule différente pour le podcast, Movers. Et donc, ça va passer par un podcast solo, dans lequel, bah, comme je le fais ici, je vais aborder une thématique et on va y aller plein de balles dedans. Généralement, une sorte de question, même si c'est pas nécessairement une question, une réponse comme une foire aux questions, ça peut être une thématique un peu plus large dans laquelle je vais parler de plusieurs points. J'espère pouvoir faire tenir ça en moins d'une heure, mais me connaissant, ça va être peut-être un peu plus d'une heure. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer de quand même d'en enregistrer plein et d'être très prolifique et d'en produire vraiment à l'appel chaque semaine. Comme ça, il y a beaucoup de thématiques. Et comme là, j'ai quasiment 10, 12 ans, de 13 ans même, de contenu en quelque sorte à rattraper, tu vois, je me dis, si je devais refaire mon aventure avec directement l'implémentation d'un podcast ou d'un vlog depuis l'âge de 18, 20 ans et mes premiers pas au Japon jusqu'à maintenant, mais j'aurais 1 milliard de trucs à dire, et ben c'est ce milliard de trucs dans ces épisodes-là, de la création d'entreprise jusqu'à la performance athlétique, jusqu'à la philosophie, jusqu'à la conscience, jusqu'à la spiritualité, bref, tous les sujets qui m'intéressent, en fait, je vais pouvoir les bombarder maintenant et en quelque sorte rattraper le temps perdu. Donc, il y en aura du contenu, il y aura des choses intéressantes et ça va être toujours autour de ces trois thématiques. Et donc, ça va être le podcast solo. Et par contre, je n'enlève pas le mot de conversation cosmique de ce podcast parce que je pense qu'on peut en avoir. Il y a des invités que j'ai reçus l'an dernier et les années précédentes, on va dire dans la saison 1, pardon, qui méritent leur titre de mover et j'ai envie de les recevoir. Sauf que cette fois-ci, je vais essayer de cadrer un peu plus les choses et au lieu d'avoir un peu des podcasts où moi je m'efface et je les laisse un peu exprimer leurs idées, etc., on va essayer d'aborder la chose plutôt comme pas un débat d'idées, mais une conversation autour de vraies thématiques. Donc, je vais organiser et structurer les épisodes avec peut-être 4-5 questions et après, on va aborder chaque question et on va y aller pleine balle. Ça me permet de pouvoir réinviter ces invités-là plusieurs fois et donc d'avoir des séries. J'imagine quelqu'un comme Pierre Dufraisse, comme Steph Gentis, avec lesquels on va pouvoir aborder chaque sujet et ça va nous permettre d'avoir des vrais épisodes longs, 2 heures, 3 heures, même 4 heures comme avant. Peut-être même, j'aimerais bien avoir des débats aussi à plusieurs. Donc là, ça va faire des vraies conversations cosmiques. Pourquoi pas ajouter des formats à plusieurs comme peut-être suivre certains événements sportifs et les commenter ensemble. Ça peut être l'occasion de le faire aussi pour les JO. Avec certains de ses amis et ses frères de lumière, on va passer beaucoup de temps ensemble physiquement cette année. Donc, j'ai aussi envie d'en profiter pour créer ce type de contenu et d'interaction. Et donc, ce sera un peu ponctuel, sporadique. Il n'y aura pas vraiment de calendrier, mais entre mes épisodes de déblatération cosmique, eh bien, il y aura des conversations cosmiques avec des invités. Donc, voilà le programme.
Il y aura pas non plus une pléthore d'invités, mais si j'arrive même à boucler avec une dizaine ou une vingtaine d'invités, même si c'est les mêmes, eh bien, il y aura des épisodes très intéressants parce que chacun va être autour d'une thématique bien précise et j'ai envie d'aller assez loin et de faire que des épisodes de la zone rouge, c'est-à-dire aborder des sujets qui sont soit tabous, soit des opinions sur certains sujets qui sont un peu, qui sont très peu partagés et qui sont un peu, voilà, qui picotent un peu. Voilà, tu les écoutes, tu dis, j'écoute ça, mais je vais pas partager ça à mon voisin ou à mon collègue de bureau parce que sinon il va me juger. Voilà le genre d'épisode que j'ai envie de créer. Donc ça va être un peu, flamboyant, voilà, ça va enflammer les foules, je l'espère, pas dans l'idée évidemment d'être clivant pour être clivant et de faire du putaclic, mais simplement parce que voilà, il y a plein d'idées que nous on a qui sont de toute façon clivantes, qui sont pas partagées par la masse, et c'est pour ça qu'on les a, et c'est pour ça qu'on a les vies qu'on a, c'est parce qu'elles sont pas partagées par la masse, et donc j'ai envie de les partager publiquement pour vous aussi vous inspirer et continuer votre aventure vers cette vie en mouvement. Donc là, le podcast, c'est vraiment pour les gens maintenant qui veulent vraiment vivre en mouvement, qui veulent augmenter leur niveau d'exigence. Il ne s'agit pas d'être maintenant un athlète de haut niveau, entrepreneur à succès et qui vit une vie de nomade. Non, mais c'est si toi, ces thématiques-là, elles t'intéressent, même si toutes ne t'intéressent pas. Alors, si toutes t'intéressent, bienvenue au club, tu vas te régaler. Par contre, si toutes ne t'intéressent pas, eh bien, évidemment, tu vas voir, de toute façon, dans le sujet des podcasts, il y en a que tu ne vas pas apprécier parce que, je sais pas, c'est sur l'entrepreneuriat digital, toi, tu n'en as rien à faire, pas de souci. Mais par contre, il y aura, de toute façon, dans tous les épisodes, élever son niveau d'exigence et avoir de l'information technique pour y arriver et passer vraiment, quitter la masse, quoi, quitter la médiocrité, quitter ce monde où tu es un lambda. Tu vois, tu es quelqu'un, sur ta tombe, il n'y aura rien écrit, quoi. Il y aura marqué « Monsieur anonyme a fait une vie anonyme, il ne s'est rien passé, il n'a rien fait, il n'a pas voulu faire grand-chose, il a regardé Netflix et il s'est régalé. » Ça, ce n'est pas la vie des movers. Nous, on veut être dans l'histoire. Tu vois, on veut créer des choses, on veut être innovateur, on veut prendre des risques et on veut vivre des vies où t'es un grand-père et même si tout ton héritage, il passe que dans la mémoire de tes deux petits-enfants, au moins t'auras une vie exceptionnelle et raconter un milliard d'histoires. Donc voilà les épisodes un peu de conversation cosmique, ça va être pour des gens comme ça, avec des gens comme ça. Et ce que je pense qui va arriver, là c'est Nostradamus qu'il faut m'appeler, Nomade Nostradamus, c'est que justement, je pense qu'avec ces épisodes-là en commun, eh bien ça va créer une sorte d'émulsion. Et ça va créer une sorte de lumière, de fréquence qui va attirer d'autres mecs comme ça, en fait. Et je pense que la meilleure manière d'attirer des movers, c'est de proposer que des conversations cosmiques d'un haut niveau. Parce que je me dis, moi, je suis un mover, je connais pas cette plateforme, j'écoute un épisode comme ça, même random, au hasard, je me dis, pleine balle, il faut que je discute avec ce mec-là ou avec ces mecs-là, il faut que je rejoigne cette tribu. Là, c'est solide, ça partage les mêmes pensées bien, bien énervées et bien arrachées que moi, je partage. Et ça partage aussi des grosses punchlines. Il y a des niveaux d'exigence qui sont très élevés, qui sont très hauts. Je me reconnais dans ce qu'ils disent parfaitement. J'ai envie de rejoindre, de collaborer et de rejoindre cette tribu. Et j'ai envie surtout de diffuser aussi ce message et de contribuer un peu à cette aventure, de partager surtout ces messages-là. C'est ça le truc. Moi, je le fais pas pour avoir des potes, même si évidemment, ça va être cool. Mais je le fais aussi parce que je me dis, voilà, il y a plein de gens qui ont aussi d'autres manières de voir le monde et qui ont aussi une vie extrême. Avec des carrières athlétiques, entrepreneuriales, des voyages, d'autres manières de voir les relations, etc. Et j'ai envie d'exposer mes idées aux leurs et j'ai envie qu'on puisse vraiment créer d'autres choses et qu'on puisse explorer. Moi, je me vois comme, avec d'autres movers, on est, si tu veux, on est à la surface d'une sphère et on essaye de percer la sphère pour aller dans l'autre niveau, tu vois. Et c'est ça, pour moi, les gens qui ont une vie extrême, comme la nôtre, c'est qu'en fait, t'atteins, en fait, dans certains domaines, évidemment, pas partout, mais dans les domaines qui t'intéressent, t'es tellement un peu un autiste et que t'es obsessionnel que t'atteins en fait le bout quoi du chemin et tu te dis bah voilà, la suite c'est à moi de la créer, c'est à moi de prendre ma machette et briser les branches et défricher la jungle pour créer un nouveau chemin pour les générations à venir. Et ça aussi, c'est la raison pour laquelle j'avais envie d'aller dans cette saison 2 et ces nouveaux formats, c'est que je me dis avec les épisodes solo et les épisodes de conversation cosmique à 2, 3 ou plus, avec ce même haut niveau d'exigence et cette même qualité qui est maintenue, eh bien je vais pouvoir aussi attirer une nouvelle population. En plus de mes auditeurs fidèles, bah, qui si sont fidèles, ils vont suivre notamment, enfin normalement ils vont suivre tout ça, c'est ce que je me dis. Eh bien, je vais attirer aussi une nouvelle population, peut-être un peu plus jeune, peut-être je dirais moins matraqué par la vie, moins abattu par la vie, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, bah, ils sont encore aussi dans le fatalisme. On en parlait avec Pierre Dufraisse dans un des épisodes, c'est un peu tout ce domaine aussi autour de la santé naturelle, holistique, etc. Il y a beaucoup de hippies ougou et de fragiles, pour être honnête, de gens qui ils vont se cacher indéfiniment sur leur trauma du passé, on comprend. Et ils ne comprennent pas que c'est simplement des expériences de vie, quoi. Vas-y, move on et avance et fais autre chose. Et donc, je me dis que j'ai aussi envie, grâce à cette nouvelle saison, d'attirer une population peut-être un peu plus jeune, qui a des aspirations plus hautes, plus grandes, qui veulent aussi du grandiose et qui veulent aussi
éviter les pièges qu'on leur tend, qui eux ont des pièges modernes incroyables. Avec les TikTok, etc., le monde des influenceurs, même le monde de l'intelligence artificielle, ils sont en train de se manger vraiment énormément d'obstacles, énormément de pièges qui vont pouvoir les corrompre. Et donc, pour ces gens-là qui veulent rester alignés, développer un corps solide, un esprit conscient, des compétences techniques, être intelligent, avoir un mode de vie dans lequel ils sont libres, ils peuvent protéger leur intégrité physique, spirituelle, mentale, émotionnelle, attirer les partenaires qu'ils veulent, créer une tribu de potes et d'amis, une squad vraiment qu'ils veulent, eh bien, ces gens-là, je pense que le contenu des épisodes solo et des conversations va être très inspirant. Et j'espère aussi pouvoir contrer un peu la noirceur un peu ambiante où on leur propose à tous ces jeunes-là des modèles qui ne sont pas très vertueux selon moi et des modèles que j'aimerais incarner. Je pense que on est plutôt cool avec mes potes, on a des vies intéressantes et on n'est pas des voyous et on n'est pas des loubards, on fait des choses bien, même s'il y a toujours des petits hiccups, des petits accidents de parcours. Fondamentalement, je pense qu'on est bon et je crois en cette idée de partager des modèles lumineux, rayonnants. Je mentionne souvent le mot de guerrier de la lumière inspiré du livre de Paulo Coelho. Je vous recommande à tous ce livre-là. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, vas-y, c'est moi, en fait. Je veux être ça. Je veux être à la fois ce guerrier, philosophe, éclaireur, chaman, guérisseur, proposer que des chemins difficiles, longs, pénibles, mais qui vont vraiment t'apporter énormément de gemmes, de sagesse et être vraiment un être dans plein d'éléments et ne pas avoir peur de la douceur, ne pas avoir peur de la rigidité, ne pas avoir peur de la discipline, ne pas avoir peur des états modifiés de conscience, vraiment oser foncer pleine balle et être un être multidimensionnel. Et donc, je me dis, je pense que ça pourrait être un modèle assez cool quoi pour les plus jeunes. Donc, si jamais, même les gens que j'ai mentionnés tout à l'heure, l'audience un peu plus âgée, ils ont bien des enfants, ils ont bien des cousins, ils ont bien des neveux, etc. Ça pourrait être cool. Et puis, je me dis, là, les modèles masculins ou les modèles de vie, les modèles entrepreneuriaux, les modèles d'athlètes, etc., qu'on propose aux jeunes, voilà, c'est un peu un truc de besoin aussi, quoi. C'est un peu ringard. Et il n'y a pas des gens personnellement qui m'inspirent. En tout cas, ceux qui m'inspirent, ils sont de la génération d'avant. Et donc, j'aimerais bien me faire le passage, en fait, faire un office de relais et de me dire, voilà, moi, les gens qui m'ont inspiré et qui vivent des vies incroyables, là, maintenant, ils ont peut-être 45, 50, 60 ans, etc. Et j'ai envie d'être, voilà, leur digne héritier, leur digne protégé, mentoré, et puis continuer à partager leur lumière, et puis ajouter mon empreinte aussi dans cet univers-là. Et je pense que ma voix un peu plus extrême, un peu plus pleine balle, bien énervée, qui fait pas de concessions, pas de compromis, qui a quasiment zéro tolérance et zéro patience et qui veut juste foncer pleine balle, je pense qu'elle a sa place et je sais qu'elle résonne avec pas mal d'auditeurs de ce podcast, car ils m'envoient des messages. Je sais qu'il y a des mecs bien solides, bien énervés, qui refusent tout acte de lâcheté, de fébrilité, et qui sont un peu comme moi, qui se disent, mec, on prend la responsabilité de tout. Et tu peux t'en sortir, travaille 10 fois plus que tout le monde et tout va bien se passer, entraîne-toi plus dur, fais les choses un peu plus dans l'action et moins dans le blabla et la parlotte et domine-toi et tu vas voir que tout va bien se passer, tu vas pouvoir manifester les choses, tu vas pouvoir plier l'univers à ta volonté. Et donc je me dis que ça va être intéressant d'avoir une nouvelle audience et qui va pouvoir être inspirée par tout ça. Et c'est vrai que ça, en fait, c'est quelque chose, je me rends compte, ça répond simplement aux demandes que j'ai reçues pour les épisodes du podcast, les témoignages que j'ai reçus au cours de toutes ces années. Alors, c'est vrai que j'ai eu des témoignages aussi très très doux et des gens qui ont apprécié des épisodes que moi, je considérais pas comme exceptionnels. Mais évidemment, chacun, en fait, à la phase de la vie dans laquelle il a pu recevoir un message qui a pu le toucher, qui a pu être pertinent pour le développement, la phase de développement dans laquelle la personne est. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, je vais faire ce que moi, j'aime. Et je vais faire quelque chose qui résonne avec moi, avec mes valeurs. Et donc, ça va aussi passer parfois par quitter un peu ce monde-là de débutant, d'aide à la personne en difficulté, pas trouver des excuses pour elle, mais d'essayer vraiment d'amadouer les choses pour qu'elle puisse, elle aussi, mettre un pied à l'étrier, commencer son cheminement tranquillement, etc. Moi, j'ai jamais fait ça, en fait, dans ma vie, ça n'a pas de sens. Et même avec mes élèves, dans les mentorats et à l'époque, dans les coachings privés, j'avais des athlètes, c'est des mecs aussi obsessionnels, mais en fait, moi, c'est tout ce que je promeux, quoi. Je promeux le côté, mais vas-y, fonce pleine balle et il faut vouloir plus en fait de cette vie-là, il faut vouloir en extraire plus et pour ça, il faut avoir un plus d'enthousiasme de ce cadeau divin et être plus en gratitude. Et donc, je me suis dit, ça résonne en fait pour moi de faire des épisodes comme ça, d'attirer cette nouvelle audience, de répondre aussi aux demandes des personnes qui m'ont soutenu depuis longtemps et ça va pouvoir m'aider à créer cette œuvre que je rêve de créer, cette œuvre qui me dépasse, qui va être un contenu inspirationnel et aussi m'élever à titre personnel à d'autres dimensions dans ma vie, pouvoir collaborer et attirer des personnes encore plus extraordinaires et pouvoir vous les partager et vous les présenter, et surtout aider
à la création d'une sorte d'armée, quoi, de movers, de gens qui sont à la fois dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit, qui, quand ils sont au lycée et qui vont au cours ou à l'université, eh ben, le soir, en fait, ils vont se fumer à la salle, ils sont champions de France, champions d'Europe d'un sport, et en même temps, ils sont ingénieurs, architectes, médecins, tu vois. Moi, c'est ça que j'ai toujours été, c'est un peu cet être multidimensionnel, ce mercenaire, quelqu'un qui sait vraiment tout faire, quoi, et en plus à haut niveau. Et donc, je me dis, voilà, si moi j'ose être cette voix-là pleinement et entièrement, eh bien, ça va pouvoir attirer ce type de personnes. Et il n'y a rien, en fait, qui va être négatif, positif si moi j'atténue cette lumière. Et c'est ça que je me dis. Je me dis, il faut que je développe ça encore plus et que je partage ça pleine balle. Et donc là, transition parfaite pour le dernier point de cet épisode, c'est que faut toujours incarner ce qu'on dit. Et il faut montrer ça dans la matière, dans le concret. Et bien, ça va passer par les ambitions que je m'impose. Et donc, les ambitions pour le podcast et pour la chaîne YouTube qui est associée au podcast, ça va être de faire vraiment du contenu ultra régulier, ultra rapide. Et j'espère, en tout cas, voilà, moi, la deadline, enfin non, pas la deadline, mais on va dire le niveau que je m'impose, c'est de produire 3 épisodes par semaine. Donc, j'ai déjà 2 épisodes, mais là, j'ai envie de bombarder et faire 3 épisodes par semaine. Donc, il va falloir beaucoup d'hydratus parce que ma bouche va être sèche. Mais en tout cas, voilà, moi, j'aime parler de toutes ces choses-là. C'est des choses qui me passionnent. En plus, il y a tellement à dire là sur toutes les choses, sur le nomadisme digital, la philosophie. J'ai l'impression de nouveau être voilà, à 20, 21 ans, aller au Japon et commencer ma petite vie là-bas et partager en fait toutes les choses que j'ai dû découvrir et apprendre par moi-même sur comment faire ces choses-là, comment... voilà, trouver un taf, créer un business et voyager, comment gérer l'argent, comment gérer les relations amicales et en même temps être un athlète professionnel, comment démarrer tous ces sports-là, etc. Et toutes les péripéties en termes d'alimentation, de philosophie, de spiritualité, de conscience, etc. qui ont été les miennes. Et donc, ça va être fun. Donc là, c'est sûr que j'aurai pas de quoi dormir hein, et me reposer. Je vais jamais terminer ce jeu-là et ça va être génial. Et donc, les ambitions sont celles-ci et viser vraiment... voilà, 30K abonnés pour la chaîne principale, 10K abonnés sur la chaîne du podcast, 3 contenus par semaine sur les 2 chaînes, en plus de la newsletter qui va toujours continuer à un email par jour. Et donc voilà, pour cela, vous savez ce qu'il vous reste à faire. S'abonner à la newsletter parce que c'est dedans que je partagerai évidemment des résumés des épisodes et puis je vais essayer de construire les épisodes autour des contenus que j'écris déjà sur la newsletter. Donc pour ceux qui aiment le format écrit, ça va être plus rapide aussi à consommer, hein, ça va être moins de 3 minutes ou 5 minutes de lecture. Pour des épisodes d'une heure. Donc voilà, ceux qui veulent consommer ça, vous faites ça. Et sinon, vous allez avoir les vidéos en vidéo. Pardon, les épisodes de podcast en vidéo et puis en audio. Et on va foncer pleine balle. Et j'espère pouvoir tenir cette intention-là et atteindre un peu ces gros objectifs. Donc merci encore pour toutes les personnes qui ont suivi le podcast jusque là. J'espère que ce que je vous ai raconté aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire sous cette vidéo YouTube vos retours. Quelles sont les thématiques que vous aimeriez que j'aborde, là, encore une fois, selon ces 3 catégories, hein, la partie un peu plus sur le corps, le développement du corps, le mouvement, la performance athlétique, etc., même la longévité encore. Hein. Donc, il y aura dedans, évidemment, alimentation et toute la santé holistique, ce sera dedans. La partie nomade digitale, donc sur le voyage, vivre à l'étranger, créer une marque en ligne, un business en ligne, etc. Et puis, la dernière partie, un peu sur la philosophie, la conscience et l'exploration du cosmos. Donc, dans ces 3 catégories, est-ce que vous avez des requêtes, des questions? N'hésitez pas en commentaire sur la vidéo YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a beaucoup de gens qui ne s'abonnent pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est un clic. Et vous abonnez à des chaînes à la con. Et pourquoi vous abonnez pas à une chaîne où il y a du contenu pointu, des gens pointus? Et ça fait du bien. Et c'est mieux pour votre âme et vos connaissances. Personnellement, moi, quand je vais sur YouTube, je m'abonne à des gens qui sont pointards. Je vais pas me casser la tête avec des gens tout pourris qui font des vidéos de divertissement. C'est honteux. Donc, on s'abonne à la chaîne Movers et puis on avance ensemble. Donc voilà, merci encore de m'avoir écouté et puis je vous retrouve dans quelques jours pour le prochain épisode. Là, je fonce pleine balle. Des bisous à tous et puis fonçons, élevons notre niveau d'exigence. Vivons en mouvement. À très bientôt.